East of Madagascar in the Indian Ocean, Mauritius. An independent state since 1968, Mauritius has diversified its economy, sugar production, a textile sector, a financial hub, and of course, tourism. But behind this postcard landscape, the impact of global warming can be seen. In certain coastal areas, the rise of the ocean erodes the coastline. Tourists may not be aware, but Mauritian authorities certainly are. To address the situation, the government decided to federate actors of public and private sectors to initiate a new policy, Maurice Île Durable. Maurice Île Durable, c'est essentiellement une vision, allons dire, d'une société en termes de développement économique, en termes de développement social et de développement environnement. Ce projet a consisté surtout à essayer de voir comment un mix des énergies renouvelables pouvait permettre à Maurice d'atteindre 65% de sa production et de sa distribution d'énergie en 2030. Lorsqu'on parle d'énergie, souvent des fois on parle d'énergie renouvelable, énergie classique, fossile, mais on parle moins d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique étant la possibilité de réduire les consommations des moteurs électriques dans les usines, des moteurs électriques dans les bâtiments, des moteurs électriques dans les ascenseurs, etc. First stage, a mapping of 650 local enterprises. Then a volunteer group of 10 companies agreeing to participate in an audit of their energy efficiency. This audit was conducted with experts from Réunion Island. It was funded by international donors. Nous avons choisi de participer à la démarche d'audit vapeur, car la vapeur est le premier poste de notre facture énergétique, soit plus de 50% de la facture énergétique. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'aide pour réaliser l'audit, nous ne l'aurions pas réalisé aussi vite. On n'aurait pas engagé le niveau d'investissement qu'on a engagé et dont on est en train de récolter les fruits aujourd'hui. Since the 1970s, economic development has caused growing needs in electricity. For Mauritius, as with any island state, energy supply is a crucial issue. The Mauritian government has instructed sugar producers to produce and sell electricity from their thermal power plants to the local distributor. Le groupe Omnicane, au départ, produit du sucre. Et exporté comme sucre raffiné sur l'Europe. Elle utilise la bagasse, qui est un résidu de la canne après production du sucre, pour brûler et faire de l'énergie. Le mix est de à peu près 70% de charbon pour 30% de bagasse dans les centrales de cogénération. Et la volonté est de réduire cette dépendance du charbon, et donc développer d'autres sources de biomasse, comme le bois, la paille de canne. Sustainable development is also all about limiting waste and optimizing production lines. Tous les produits sont recyclés, nos effluents sont retraités, sont réutilisés quelquefois dans nos installations. In this way, fermentation of molasses can produce ethanol. Les usages peuvent être de plusieurs ordres. Elle peut être utilisée pour les boissons, elle peut être utilisée pour la pharmaceutique, dans la parfumerie. In Mauritius, there are even plans to use ethanol as a motor fuel. C'est vraiment une volonté et c'est un acte de foi dans le pays de vraiment essayer de rejoindre cette vocation de Maurice Île Durable qui est tellement chère à nous tous ici. Il y aura de plus en plus de petites sociétés qu'on appelle à Maurice des small independent power producers, c'est-à-dire des petits producteurs indépendants d'énergie qui, soit par l'éolien, soit par l'hydroélectrique, soit par la biomasse ou le biogaz, vont pouvoir contribuer à enrichir en électricité cette grille intelligente, ce réseau intelligent de distribution d'électricité qui permettra de plus en plus à cette démocratie énergétique de prendre le pouvoir sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes en quelque sorte dominés par des très grandes entreprises de production et de distribution d'énergie, pétrolière ou nucléaire. Enfin, nous allons pouvoir, nous, les êtres humains, dans la société, jouer un rôle de construction et de planification de notre avenir.
In the Indian Ocean, as elsewhere in the world, energy consumption, lifestyles, and climate change have become interrelated. Should society invent a new model? On ne peut pas changer le modèle. On peut construire, on peut bâtir, on peut emmener des changements, on peut s'ajuster. Nous avons souhaité faire de l'île Maurice une sorte de projet pilote pour le monde concernant non seulement les questions liées au réchauffement climatique, mais aussi au développement durable. Maurice est très petit. Nous savons bien que, quelque part, l'infiniment grand et l'infiniment petit se rencontrent. Il n'y a pas de différence, en fait, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.